Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour la vidéo d'aujourd'hui parce qu'on va se mater un extrait de concert de l'incroyable Kenshi Yonezu dans lequel il interprète Kick Back, le génialissime opening de Chainsaw Man. Mais il n'est pas seul sur scène puisqu'il est accompagné de Daiki Tsuneta, un musicien qui a notamment fondé le groupe King Gnu. Je sais pas comment ça se prononce, hein, vous m'excuserez. C'est d'ailleurs apparemment lui qui a composé l'incroyable ligne de guitare sur Kick Back, et il a aussi aidé Kenshi sur l'arrangement de la chanson. Bref, vous l'avez compris, on va voir ces deux monstres de la musique sur la même scène. Je pense que ça va être mortel. Allez, c'est parti! Sacrée ambiance, ça, déjà. Allez, c'est parti! C'est dans quoi qu'il chante là? Un mégaphone? Ok, ils ont l'air de prendre leurs pieds là. Gros changement d'ambiance. C'est sympa cette façon de filmer là. Ça ajoute du dynamisme. Ok, vraiment super cool. Je pense quand même en vidéo, ça retranscrit vraiment pas l'ambiance qu'il devait y avoir dans cette salle. T'as l'ambiance là avec tous les danseurs, Daiki Tsuneta, il était quoi? Il était en peignoir, trop chelou à chanter dans un mégaphone. Franchement, il y avait une vibe vraiment cool avec cette mise en scène. Franchement, ouais, comme je vous l'ai dit, je pense que ça doit être un truc de malade d'être à un concert et d'avoir cette chanson là. L'ambiance, ouais, l'ambiance doit être dingue. Bon, et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce live? C'est peut-être d'ailleurs pour certains d'entre vous la première fois que vous découvrez cette chanson en entière. Peut-être que la seconde partie vous a un peu surpris. Alors je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les.